Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour le sixième numéro d'Asvel, la performance au féminin. Et pour la première fois aujourd'hui, eh bien on est accueilli par Lyon Asvel féminin. Vous le voyez dans les locaux et notamment sa directrice générale adjointe Esther. Bonjour Esther. Bonjour Gaël. Ainsi que Ménia qui sera avec nous. Bonjour Ménia. Bonjour. Avec une émission tournée sur la polyvalence, l'adaptation à différents postes. Et vous allez le voir pour nos deux invités, c'est véritablement leur parcours qui va être mis en avant et qui va nous servir d'expérience. Et justement, pour mieux les connaître, eh bien, je vous propose de regarder ce portrait signé Gauthier Stengray. Je suis Esther Botalico, je suis la directrice générale adjointe de Lyon Asvel Féminin. Alors, mon quotidien est très varié puisque je m'occupe autant de l'aspect administratif, financier et du club, mais également l'organisation des matchs, les animations, l'accueil des partenaires. Du coup, comment ça se passe pour le 21? Je suis un peu le couteau suisse en fait du club et je participe à tout. Vous avez envoyé le mail déjà? Ah, c'est complètement nouveau pour moi. Moi, je suis pas du tout basketteuse. Moi, auparavant, j'ai déjà fait deux métiers. J'ai été visiteuse médicale pendant 12 ans. Puis, je me suis reconvertie dans l'immobilier. C'est là où j'ai rencontré Marie-Sophie Obama lorsqu'elle a été promue présidente de Lyon Asvel Féminin. Elle avait besoin de quelqu'un en tout cas, et comme on se connaissait bien, on avait l'habitude de travailler ensemble, elle m'a proposé ce poste et puis j'ai saisi l'opportunité pour vivre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Je m'appelle Ménia Lo, je suis pilote opérationnel métier. Donc je travaille avec une équipe de chefs de projet et d'informaticiens donc sur la conception d'un outil informatique pour nos agences. Du coup, tu livres bientôt la spec qu'on vient de voir ensemble? J'ai démarré en alternance chez Adéquat en 2007, où je faisais de la gestion du personnel, l'administratif, les payes, du recrutement. Et en 2015, donc, on m'a proposé d'occuper une nouvelle fonction d'animatrice administrative et commerciale. Je partais en déplacement toutes les semaines dans nos agences au niveau national pour les accompagner au quotidien sur la formation logicielle, au process métier. Laurent, d'ailleurs, on a la revue des US Smith cet après-midi. Et depuis fin 2017, donc, je suis sur ce nouveau poste où j'accompagne maintenant des chefs de projet, des informaticiens sur les besoins de nos agences pour leur permettre de travailler plus efficacement, plus rapidement au quotidien. Maintenant que vous connaissez mieux Esther et Ménia, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vais justement me tourner vers vous en vous demandant bien, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces différents changements de poste? Ça m'a apporté beaucoup plus de responsabilité, de confiance en moi également. Donc ça m'a permis d'apporter également mon savoir à nos collaborateurs, donc notamment sur le poste de formatrice. Donc c'est de les accompagner au quotidien, de les former et également de la polyvalence, parce que je ne faisais pas que ça uniquement, c'était aussi de venir en renfort sur des équipes en difficulté. Ça a été vraiment très intéressant au niveau polyvalence de faire plusieurs choses, de toucher plusieurs domaines, même si ça se rapportait à mon cœur de métier qui est le recrutement, l'intérim. Voilà. Et tu t'es trouvé une fibre pédagogue, c'est pas évident ça? Tout à fait, parce que c'est un autre métier vraiment de former, ouais. D'être pédagogue, d'être patiente et d'accompagner au quotidien les personnes. Et ça a été très important de développer cette connaissance-là, cette pédagogie-là. Que... Tu savais que tu l'avais en toi ou pas? Pas forcément, non. Non. Pas forcément. Ouais, c'est ça aussi, on se découvre. Esther, j'imagine que c'est pareil, quand on change de métier comme vous, on doit se découvrir parfois sur certains points. Ben oui, tout à fait, on arrive à se dire, bon, est-ce que je vais pouvoir avoir cette performance? Et puis, on l'acquiert, et de toute façon, une fois qu'on y est dedans, on se retrouve sur les manches et puis on y va et on y arrive. Oui. Et ça permet justement, c'est ce que vous me disiez toutes les deux en préparant l'émission, de ne jamais s'ennuyer finalement. Et c'est ça aussi qui est intéressant, on a l'impression de faire plusieurs métiers en un seul. C'est tout à fait ça. D'une mission à une autre, je suis amenée à former. Le lendemain, je suis amenée à faire du renfort, donc à faire moi-même du recrutement dans une autre agence que je ne connais pas forcément, des clients que je ne connais pas, une ville même que je ne connais pas. C'est quand je partais en déplacement, donc c'était partout en France. Donc c'est vrai que ça nous permet de nous pousser, d'aller un peu plus loin. Et c'est vraiment, je pense que pour toi, c'est un
C'est un peu pareil, c'est le domaine du basket, c'était nouveau pour toi. Oui, c'est ça, c'est ça. En plus, en plus j'ai découvert les règles du basket. Ouais, donc on partait de loin. Ah, je pars de très loin. Donc non, mais c'est enrichissant parce que on apprend et puis chaque rencontre apporte quelque chose de nouveau et qui nous enrichit et qui nous permet de grandir et d'aller plus loin. Et est-ce qu'une des qualités les plus importantes, c'est pas la curiosité aussi? Parce que forcément, il faut être curieux pour apprendre, pour avoir envie de se lancer un nouveau défi. Et l'adaptabilité, c'est pas donné à tout le monde, je pense, et il faut vraiment savoir être un caméléon. Et être curieuse, évidemment, mais il faut vraiment être un caméléon. Ouais. C'est ce que vous retrouvez aussi, Mélia? Tout à fait, parce que c'est vrai que dans mes changements de poste, même si le cœur du métier restait, l'intérim restait le même, c'est vrai que là, je prends l'exemple de mon dernier poste, je travaille avec une équipe d'informaticiens, donc qui n'est pas du tout mon domaine au départ. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée, que je les entendais parler entre eux, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et en fait, petit à petit, on apprend, on est curieux, on se renseigne, on apprend et c'est comme ça aussi qu'on y arrive. Merci en tout cas à toutes les deux pour cette première partie. Avant de parler d'adaptation, d'adaptabilité, comme le disait Esther, on va revenir en image sur la belle saison du Lyon ASVEL féminin. Les joueuses sont en vacances, mais on en profite justement pour revenir sur leur belle saison. Les images de la saison dernière, puisqu'il faut l'appeler comme ça, on est l'été, c'est terminé pour les Lyonnes. Belle saison, hein, Esther, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de joie fin mai, début juin. Ouais, on a vécu des bons moments, elles nous ont fait vraiment plaisir et c'était merveilleux de vivre ça tous ensemble et pour cette première saison. On rappelle que les objectifs ont été atteints puisque vous avez été jusqu'en demi-finale du championnat de France. La qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, donc c'est vraiment très bien. C'est ça, on a coché toutes les cases qu'on nous avait données, tout a été fait, enfin, surtout les filles, moi j'ai pas trop participé. C'est le collectif et c'est la polyvalence, c'est ce qu'on disait en première partie. C'est vrai, c'est vrai. Donc l'année prochaine, on attendra aussi beaucoup pour cette équipe. Beaucoup, une Coupe d'Europe, donc de la nouveauté, des matchs supplémentaires et j'espère que tu viendras nous voir. Oui, avec plaisir, c'est vrai que j'ai regardé que des matchs hommes pour l'instant et là ce sera l'occasion à la rentrée de venir voir les filles. Voilà, donc Coupe d'Europe ou le championnat, il y aura le choix en semaine, le week-end, il y en aura pour tout le monde. Et puis il y a eu pas mal de changements aussi au niveau de l'effectif, a priori une très très belle équipe qui a été construite, donc on espère que ça se traduira sur le terrain, Esther, parce qu'on l'a dit, les objectifs seront très élevés encore. Ils seront encore très élevés, mais on a vraiment de beaux talents qui arrivent, donc
J'ai aucun doute. On a hâte de voir ça. Alors, peut-être que Ménia pourra donner des conseils pour les joueuses qui vont arriver, parce qu'elles vont arriver dans un nouvel environnement. C'est exactement ce qui vous est arrivé souvent. Alors, comment faire quand on arrive justement dans un nouvel environnement? Est-ce qu'il y a une espèce de fiche pratique? Est-ce qu'on se dit, je me fais objectif semaine par semaine presque, pour bien s'introduire dans son nouveau poste? Oui, c'est ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'arriver quelque part où on ne connaît pas. Donc, on se renseigne un petit peu avant, on se donne des objectifs semaine par semaine. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à s'adapter petit à petit. Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, sur mon poste où je partais de semaine en déplacement, chaque mission, chaque semaine était différente. Les objectifs étaient différents, donc on se renseigne avant, on rencontre de nouvelles équipes, donc on travaille ensemble. Très rapidement, il faut qu'on s'adapte. Il faut créer des liens. C'est ça, ouais. Et créer des liens avec les nouvelles personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que se mettre des objectifs, du coup, ça nous booste à y arriver. Et je pense que c'est pareil pour les joueuses. Mais oui. Bon, après, elles sont bien entourées. On est là pour les accueillir. Et puis, il y a toujours quelqu'un à l'écoute dès qu'elles ont un problème. Donc, elles sont bien entourées. Elles sont bien entourées. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'adapter. Il y a toujours cette petite crainte, cette petite appréhension malgré tout. Et c'est ce qui fait avancer aussi. Tout à fait, parce que quand on change de poste, on se demande toujours est-ce que je vais y arriver. On sort de sa zone de confort en fait. Pour toutes celles qui nous regardent et qui ont peut-être ce dilemme en disant j'ai une belle opportunité, j'ai envie de changer. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Comment vous pourriez les inciter à franchir le pas finalement? Alors je leur dirais qu'il faut y aller, parce que c'est vrai que sur mon premier poste, j'avais vraiment fait le tour. Et du coup, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et là, d'avoir une opportunité, c'est vrai que ça fait peur. Mais si on ne prend pas le risque d'y aller, on ne le fera pas. Et donc, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre le risque. Et ça peut être payant. En tout cas, ça l'a été pour moi. C'est payant et puis ça permet de grandir, oui. D'acquérir de nouvelles compétences. Puis après, on est fiers de soi. Et c'est ça aussi qui est important, effectivement, Esther. Merci beaucoup, Esther, de nous avoir accueillis ici au siège du Lyon ASVEL féminin. Avec plaisir. Avec l'ASVEL, on le rappelle. Et merci également à Ménia. Merci à vous. Et puis peut-être qu'on se reverra dans une autre saison avec encore un autre poste. Ménia, oui. On ne sait jamais. Pourquoi pas journaliste? Eh bien, pourquoi pas. Vous prendrez ma place, vous ferez l'émission, ce sera impeccable. En attendant, on va laisser passer l'été tranquillement. On va souhaiter de bonnes vacances aux joueuses également. Comme à vous, et puis on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle émission sur TLM. Salut!